Yo les gars, c'est vrai que aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors les gars, aujourd'hui c'est la nouvelle guerre de clans comme vous voyez. On a bien lancé, voilà, j'ai fait tous mes combats, il m'en reste plus qu'un à faire qu'on va faire ensemble. Alors on va déjà faire un petit pack opening. Malheureusement je vais tout tenir avec commandes gratuites, donc du coup c'est parti les gars. J'ai pris une carte cadeau de 100€ les gars. Ok, tu vois rien, c'est pas grave. Ok, voilà. Donc, les gars, pronostiquez les gars tous les coffres en commentaire. Ça m'intéresse. Ok, donc là, un archer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans un coffre? Cette vidéo, on va pouvoir aussi maxer. Ah, ouais, ça marche, parfait. Comme ça, il ne manquera plus qu'un pour passer niveau 12. On va aussi pouvoir maxer les archers, les gars. Ok, c'est parti. Hop. Tac, let's go, acheter. Ça va faire du bien les gars, surtout pour les pièces. Ok, c'est parti, premier coffre légendaire du roi les gars. Allez, tombstone les gars. Bah, fusque parce que j'ai déjà testé la max. Je vais prendre ça parce que je préfère pas que ça soit mes cadres. Bon là, ça me fait chier de prendre le roi mais je la prends quand même. On va prendre du bélier. Et on va prendre de la chair et tasse. Et les gars, en légendaire, on va prendre quoi? Une princesse. Deuxième coffre, c'est parti. 4300 pièces. 3 mousquetaires, c'est bon. Mini PK, géant, gun de glace. En vrai, je prends les barbares. Je sais pas trop, je prends le ballon. Le ballon, parce que le ballon est très très fort. Et ok, je prends du mineur, les gars, ça c'était sûr. Ok les gars, on passe à la dernière offre à 55€ les gars, ce qui est énorme. Bon, on a quand même pas mal de value, hein, je vous avoue les gars. Là, on va être vraiment pas trop dégueu niveau pièces, c'est plutôt bien. Ok, c'est parti. Je vais prendre ça. TDE, cochon, igolem, fût à squelette, foudre. La petite arche, c'est cool, pas qui a marché. Ça, on peut passer niveau 12. Ah, mousquetaire, on peut passer niveau 12 aussi, cool. Ça. Kirikou, les gars, très important. Le baby drive avec ce PK, on l'a déjà niveau maximum, les gars. Et c'est parti, donc on va prendre sa pique, clairement. Hein, là, il n'y a aucun doute. Allez, c'est parti, troisième coffre. On a l'arche, on a jamais. Jean Bomber. Tombstone. Géant. Je vais prendre ça plutôt, je pense que c'est mieux. En vrai, je vais quand même prendre un mousquetaire sur le staff, je vais passer niveau 13. Le petit frère à revoir, les gars. Et bah là, on va prendre un zapi parce que Lewis, on l'a déjà niveau max. Dernier coffre du roi légendaire. 3 guérisseuses, 8 mousquetaires. De la méga, du jambonbeurre, du gun de glace. De l'arme escape, on n'a pas encore niveau 12. Et cette glace on vient de le passer, donc je prends du molos. Du molos. Coffre magique, 1504 pièces. Un barbare. 7 colis royal, 27 archers. 30 mortiers, 19 cabanes. 9 poisons et un petit légendaire, les gars. Là, c'est énorme le nombre de légendaires qu'on vient d'avoir là, c'est incroyable. En barre, zapi parfait. Ok. 1504 pièces. 4 fûts à squelette. 3 extracteurs d'élixir. 63 rascasses. Une foudre. 15 géants, 2 charrettes et 6 boulistes. Ok. 3ème coffre magique, 1504 pièces, 25 recrues, 4 golems de classe, 41 snowballs, 6 igolems, 8 béliers, 9 sorcières et la légendaire. Un pêcheur. Ok, on a déjà niveau 12. Ok, dernier coffre magique, 1504 pièces, 26 snowballs, 4 igolems, 39 esprits de feu. 15 cochons, 2 sorcières, 3 golems et 5 balles. Ok. Coffre géant, les gars. 2961 pièces, 5 mégas, 20 cash goblins, 264 snowballs et 43 mousquetaires. 2961 pièces. 8 6, 19 esprits de soins, 263 archers et 39 golems. 2961 pièces. 8 cochons,
9 cash goblins, 263 colis, 49 toiles. Dernier coffre, genre les gars, c'est pas compagnie. 2960 pièces, un clonage, 18 guérisseuses, 262 dragons squelettes et 48 mini PK. Bon, les gars, vous voyez, en pièces, là on n'est pas trop dégueu. Donc on va pouvoir améliorer cette mousquetaire à niveau 12, les gars. On va aussi pouvoir améliorer mes archers niveau 13, les gars. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Une carte de plus maxée et l'archer magique niveau 12, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, tout simplement. Donc un squelette jump pour passer niveau 12. Et on va faire un tout simplement. Une petite attaque, les gars, que je vous ai réservé pour vous spécialement. Je vous montre un petit peu tout ce qui a changé aussi. Et on tombe sur Tyson de No Mercy qui a 5400 trophées. Et nous, on a un deck GR. J'ai fait qu'avec des cartes que j'ai gagné au maximum. Donc, c'est un deck qui n'aura pas de sens, les gars. Hein. Ok, Thompson niveau 12. Les Gordos niveau 12. Les gars, là, on va avoir une très bonne value de Fletchas. On va un peu regarder les Gardos, mais c'est pas grave. Ok, là, on va mettre pas mal de dommages. C'est plutôt cool. Les garous qui vont venir bien gratter, c'est extrêmement cool. Donc là, on a un deck de type double prince, géant royal avec horde de mouches et mouches avec des sapeurs, une foudre et des fletchas. Donc un deck de type qui n'a aucun sens. On va tout de suite aller foudre cette petite sorcière. Hop, voilà, parfait. Ok, donc on va jouer la horde de mouches, nous. Et je vais partir tout simplement en sapeur, les gars, pour aller accompagner mes mouches. Ok, donc ça peut qu'il va se faire défoncer. Oh, il y en a qui connecte. Et point à toi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Il a pas l'air d'avoir de Fletchas, c'est ce qui nous arrange, les gars. Je vais pas vous mentir, ça nous arrange pas. Ça nous arrange. Oula, ça nous arrange beaucoup. Et là, je pense qu'à mon avis, le rage quitte. Hein, parce que vu le. Ok, vas-y, on va voir si le rage quitte, les gars. Bon, il n'a pas rage quitte, très bien. Chacun son délire, écoutez. Ok, nickel. Le général qui a mis énormément de dommages. Ok, parfait. Wesh, oh, le gros sac à merde, on a beaucoup de pas mal de dégâts. On va partir en Dark Prince plus en Wall Blockers. Et on va aller finir cette tour, les gars, pour prendre le 3 couronnes. C'était facile contre Tyson de No Mercy qui a 5400 trophées, donc je pense qu'il est niveau 13, assez claqué au sol. Donc un 600 pièces, c'est cool. Et on va pas passer pour rien. Ça c'est vraiment cool. Alors, attends, est-ce qu'on est là, on a des donations à faire. Et tranquillement, on est vraiment squelette. Putain, j'ai bien fait d'en récupérer, hein. Ok. Bon, alors, ce qui a changé aussi, c'est les trades. Donc, les trades, on peut en faire normalement. Et aussi, au pire, on a un négociant ici, les gars, pour tout simplement, voilà, échanger. Il y en aura tous les jours, ça va rechanger. Donc, voilà, 6h, il sera quelle heure, voilà, je pense qu'il sera minuit. Et du coup, aussi, on a pour... donc, on a 4 decks, comme vous le voyez. Ici, j'ai 4 decks qui sont pas max, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, le but simplement, c'est tout simplement de faire les meilleurs decks possibles et attaquer. Donc là, on a le battle normal comme en ladder. Et là, ici, on a le BO3, les gars. Donc on va avoir 3 decks disponibles pour pouvoir attaquer. Et c'est plutôt assez cool. Donc on a aussi une bataille de bateau, comme c'était annoncé. Ici, on a le truc de réparation si on se fait attaquer, parce qu'on peut attaquer les autres clans. Donc voilà, nous, si moi sur mon clan, moi j'ai déjà fait une défense. Donc on va aller tester la défense de quelqu'un d'autre, les gars. Non, pas avec le 2.6. Tant pis. Va quitter, dommage. Bon les gars, j'ai pas un 2.6 max. Mais bon, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti. On a un mousquetaire 12, donc c'est pas trop dégueu, voilà. Donc là, je vais à une partie pour vous montrer un petit peu. Ok, donc là, voilà notre tour principal, le nombre, le peu d'HP qu'elle a, c'est un peu assez chiant, je vous avoue. Mais bon. Allez, graine de glace pour tank et noir partir en cochon avec esprit de glace. Ce qui est bien, c'est que les tourelles sont endettées pour niveau 9 ainsi que les cartes sont niveau 9, ça c'est plutôt cool. Pour pas non plus que les niveaux bas se fassent éclater. Donc là, en temps normal, j'appellerais ça du spamming. Mais comme c'est niveau 9, regarde, le canon qui fait un dégât, c'est juste incroyable. Il défonce ce que j'ai, c'est juste. Ce mode de jeu, les gars, je pense que c'est le meilleur mode de jeu de la mise à jour. La mousquetaire qui déglingue absolument tout.
Donc le but, ça serait bien d'être une tour là. C'est plutôt cool. Donc là, on va aller prendre. Oh, deux fois, si c'est très chaud. Ok, on va un prince. Et on voit une cabane aussi, d'accord. Ok, donc là je vais nous classer avec des petits squelettes. Donc là on va économiser un petit peu pour mettre un plus gros push possible. Parce que on rappelle, le but c'est sur la tourelle. Merde, c'est la famille cochon, on se parle. La mousquetaire qui va faire pas mal de dégâts. Voilà, on met des rascals. Nous on va bûcher tout ça. Mascotte géant aussi. Donc le gars là, pour l'instant, n'a fait aucun dégât sur une tour. Donc pour gagner, il faut prendre une tour, ce que je ne vais pas faire. C'est un peu chiant. Mais c'est pas trop grave. Hop, voilà. On va l'essayer les gars avec mon vrai deck, c'est niveau maximum, je vous rappelle. Mon record c'est 2, j'ai fait des trucs. Donc là, ouais, défaite. Regardez, hop. Si je prends un petit peu ce qu'ils ont. Ouais, Zappy, ça va être relou. Ouais, Zappy, c'est très relou. Donc lui il a voulu faire un deck cimetière, il y a une boule de feu, test, vas-y allez. On va prendre notre vrai deck les gars, deck cimetière. C'est parti. Donc là, c'est ni plus ni moins que du spam. Hein. Voilà, nickel, ça prend l'aggro. Là il y a juste des barbares, la Valkyrie qui va éclater les barbares. Là il va prendre pas mal de dégâts, c'est plutôt cool. Voilà, la tour elle est déjà à 6000 HP, on a déjà enlevé 2600 HP, enfin 2700 même. Ce qui est plutôt bien. Et là, on va pouvoir partir en spamming mode. Faudrait que je teste un deck golem dès que je vais niveau max. Je mets genre un deck golem, j'envoie un golem fond de map et j'en ai tous les darons. Je pense que ça marche. Faudrait essayer. C'est assez relou, hein. on va gérer les tours d'ailleurs. Les boules de feu, ça me fume quand on va les utiliser, genre. On va mettre un zap pour détruire l'armure juste du Queens. Ok, bah ça c'est bon. Je vais partir en Valkyrie plus Bat, tout ce qui est plus normal. Ok, la Valkyrie qui va défoncer les barbares et ça c'est une bonne nouvelle. Là on a mis énormément de dommages déjà. Donc là ce que je vais faire c'est juste mettre donc, tour focus et moi je vais partir en PK avec un électro sorcier. Non mais il va me rusher des barbares là, pour qu'il se fasse bien. Voilà, boule de feu, d'accord. Le PK qui va heureusement prendre la tour, voilà, on a une minute de plus les gars, c'est cool. Et là les gars on va partir en Spamland. Donc là on a 2.7 DX je crois, en bail dans le genre. Tac, tac. C'est parti les gars, on va freeze tout ça. Cache goblin. Wesh, il envoie des barbares, les effets. Ok, lane toto, très bien. On met beaucoup de dommages, ça c'est plutôt cool les gars. On va juste mettre un sorcier pour éclincer barbare. Et on va directement partir en cimetière les gars. Puisque le cimetière ça défonce tout. Je pense que la cimetière ça va être la win condition de ça parce que c'est trop fort le cimetière. Alors allez, hop, voilà, nickel. Non 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 non, j'avais pas vu. A chaque fois je me fais avoir les gars. Je vois jamais ce qui arrive sur moi. C'est pas trop grave, dans tous les cas on a gagné. Ok, bon. Voilà, donc c'est. Nous on a fait ça comme compo. C'est pas dégueu. Et puis voilà les gars, j'espère que c'est depuis. D'ailleurs il y a ça. Il y a aussi un truc très important les gars, c'est ça. Donc là j'ai 4 ans les gars. 4 ans de Clash Royale, les gars, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. En tout cas c'est que là j'ai quasiment tout mon deck niveau 12, il manque juste ça à faire, mais ça c'est un peu de problème. Je voulais juste tester un truc les gars, on va tester un truc avant. Donc je vais enlever les squelettes et je vais tenter de lancer une game. Est-ce que ça marche? Non, ok. Bon, d'accord. Ok, bon, bah si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas à me dire, si vous vous abonnez les gars, très important, lâchez un petit pouce bleu, et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je suis très con, mais bon, c'est pas grave, et ciao.